Bonjour, madame. Bonjour. Je t'ai ici avant en étant malade. Je cherche une jeune fille. Elle est brune comme ça. Elle peut avoir 18 ou 20 ans. Elle vend de l'eau juste aux environs. Tu la connais? Oui, je crois la connaître. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Il y a un temps, j'étais malade. J'étais dans un taxi. C'était elle qui m'avait ramené à l'hôpital. Alors je viens lui dire merci. Donne-lui ça et dis-lui de venir sur cette adresse. Qu'elle vienne immédiatement, okay. C'est vraiment important. Oui, nous habitons ensemble. Elle m'est familière, oui. Ah, soyez la bienvenue. Bon après-midi. Oui, bon après-midi. Je réponds au nom de Annabelle. Je suis venue voir Madame Amelia. Elle m'avait demandé de passer okay. la voir. Oh oui, c'est vous qu'elle attend depuis. Je vous en prie, entrez. Merci. Infirmière, je t'en prie, dis à madame que cette fille doit la voir, hein? Ok, assieds-toi s'il te plaît. Merci. De rien. Annabelle. Bon après-midi, madame. Merci, ma chérie. Lève-toi. Merci, madame. Je suis très heureuse de te voir. Oui, madame. Mets-toi. Merci, madame. Sois la bienvenue, ma fille. Je t'ai appelé que tu viennes pour que je te remercie de la façon dont tu m'as aidé quand j'étais malade. Merci beaucoup, ma fille. Merci, madame. Que Dieu te bénisse. Comment allez-vous maintenant? Est-ce que vous vous sentez bien? Oui. Je veux bien que l'autre fois. Mais je suis toujours malade. Ce qui voulait se produire ce jour-là était que j'étais vraiment malade. Mon chauffeur ne m'avait pas dit qu'il irait voir sa femme à l'hôpital. Et j'avais besoin de m'acheter quelque chose. J'étais vraiment malade. Et je m'étais juste efforcée de prendre un taxi et qui m'a amené là où tu vendais. Je remercie Dieu que tu étais là pour m'aider. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Maman, il est temps de prendre tes médicaments. C'est bien ma fille. Amène-moi mon sac à main. Ok, bien. Tu m'as pas parlé de toi ma chère. Je viens d'une famille de 3 personnes. Ma mère était morte lorsque j'avais 3 ans. Et mon père est mort l'année passée. Oh! Et je... Désolée. Désolée, madame. Désolée. Désolée, madame. Ça va, ma fille. Désolée, madame. Désolée.
Désolée. Merci, ma chère. Vas-y. J'avais fui le village pour venir chez mon cousin ici. Parce que mon oncle cherchait à me marier à un homme de plus de 70 ans. Oh mon Dieu! Et lorsque j'étais arrivée à Lagos, mon cousin en question avait voyagé. Depuis lors, je change d'un endroit à un autre. Et présentement, je vis avec la femme qui vend les oranges sur le macadam. Oh, ma chère. Oui, madame. Donne-le-moi. Ton histoire est vraiment pathétique. Je dirais même très pathétique. Je suis toujours malade. Je dois prendre mes médicaments maintenant, hein? Oui, madame. Tu as vraiment une histoire pathétique. De toutes les façons. Avant tout, prends ça. Achète-toi n'importe quoi. Prends ça. Merci, madame. C'est bien, ma chère. Merci énormément. Que Dieu vous bénisse, madame. Je te remercie pour avoir sauvé ma vie. Lève-toi. Merci, lève-toi, madame. Merci, ma chérie. Oh, c'est bon. Il faut que j'aille au lit. Oui, madame, merci. Reviens dans des jours, ok? Merci, madame. Merci, madame. Tantine? Tantine? J'étais passée là où nous vendons, je ne vous ai pas vue. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais d'abord préparer avant que j'aille vendre. Ok. Tantine, tu ne vas pas du tout y croire. C'est un miracle. Elle m'a demandé mon histoire et je lui ai tout raconté. Et elle m'a donné 50 000 naira. Et elle m'a dit d'acheter tout ce que je veux, Tantine. 50 000 naira. Tantine, 50 000. Es-tu sérieuse? Oui. En tout cas, que Dieu bénisse cette femme. Amen. Je crois que tu l'as vraiment remerciée. Tantine. Parce que 50 000 naira, c'est beaucoup d'argent. Oh, bien sûr que oui, Tantine. Je lui ai très bien remerciée. Très, très bien alors. Tantine, je te dis la vérité, oh. Hey! Mais attends. Il y a quelque chose d'étrange. Comment est-ce qu'elle s'est retrouvée dans le Tarsi ces jours-là? Si elle est vraiment une femme riche, comme tu le dis. Ok, Tantine, écoute. Son chauffeur et sa bonne n'étaient pas du tout à la maison. Les jours qu'elle avait subi cette attaque. Alors, elle devait sortir elle-même pour prendre un taxi. Avec la distance de sa maison, elle était tellement malade qu'elle ne pouvait appeler personne pour lui apporter une aide. Elle devait se battre. Oh, la pauvre femme. Le fait de sortir seule ce jour-là pouvait vraiment la coûter la vie. Et le fou de ce chauffeur-là l'avait fait descendre de sa voiture. Tu vois, les gens aujourd'hui sont très impatients. Si seulement ce chauffeur lui avait aidé, elle aurait dû faire avec lui plus que ce qu'elle a fait avec toi. Bien sûr. Tantine, s'il vous plaît, ça c'est votre part aux 25 000 naira. Quoi? Oui. 25 000 naira? Non. Tu sais combien d'années que je n'ai pas pu toucher une telle somme. Ok, Tantine, vous allez le toucher aujourd'hui. S'il vous plaît, Tantine. S'il vous plaît. Prenez cet argent. D'ailleurs, j'avais dû user le vôtre pour l'emmener à l'hôpital. Vous êtes très bonne à mon égard. Tantine, vous m'avez pris comme votre petite sœur. Vous m'avez considérée. Sans pour autant savoir d'où est-ce que je venais et qui je suis. C'est la seule manière de vous dire merci. S'il vous plaît, Tantine, prenez-le. Oh, idiot,
Amen. Merci. Hey, 25 000 naira. Oui, tantine. Oh, Dieu. 25 000 naira. Hey. Mais tu sais que tu as vraiment beaucoup souffert. C'est parce que je t'ai aveugle. Je ne connaissais rien. C'est pour cela que je dois me faire beaucoup d'argent. Vous savez quoi? Nous devons avoir plus que ce que nous recevons. Hein? C'est ça le deal. Oui, nous devons faire jusque la nuit. C'était une erreur. Viens, viens, viens. Hey! Laisse-moi te dire. Hey, tu es différent. Des nouveaux habits et même la cigarette. Et donc, tu fumes? Ah oui, je fume. Je les prends souvent si je suis stressé. Concernant mes habits, comme tu vois, je suis en train de faire des gros business avec mes amis. Ce sont tes amis. Ils ont une mauvaise réputation dans ces villageois. Ne t'occupe pas de ce que les gens disent. Tu vois, les gens parlent des mauvaises choses juste pour salir leur image. Hein? Oche, je suis inquiète. Je suis inquiète pour toi et Annabelle. Tu n'as pas à t'inquiéter pour nous. Hein? Je crois qu'Annabelle va très bien. Quant à moi, je vais bien, comme tu peux le voir. Hein? Tu dois juste avoir la patience. Vraiment, je ferai beaucoup d'argent et je vais te faire sortir de là. D'accord? Souviens-toi de ce que papa nous disait. Il disait qu'on ne peut pas prendre ce qui ne revient pas de toi. Que dans toute mauvaise chose, il y a une punition. Le problème est que tu t'inquiètes beaucoup. Regarde. Regarde. Prends ça. Non, Itché, non, je ne le prendrai pas. Prends, non. Je ne le prendrai pas. Non, je ne le prendrai pas parce que mon esprit ne me convient pas de prendre cet argent. Je ne connais pas la source. Très bien, ça te regarde. Regarde, je suis venu ici pour te voir. Je m'en fous de ce que tu penses. Très bien, prends soin de toi. Je dois partir maintenant. Ok. Hein? Okay. Ok. Laisse-moi t'aider. Prends très bien soin de toi. Ne dis pas que tu m'as vu. Ah, Uche, est-ce que tout va bien? Ouais, tout va bien. Kéké. Ouais. Tu disais qu'on devrait aller à Lagos pour faire de grosses affaires, n'est-ce pas? Ouais. Hein? Ouais. Je crois que c'est le temps. De quoi est-ce que tu parles? Ce village est trop petit pour nous. C'est quoi ta suggestion? Dike, pense-y. C'est très dangereux lorsque les gens qui nous connaissent savent absolument tout ce qu'on fait. Et spécialement notre genre de business. Est-ce que vous me comprenez, non? Je pense que c'est le moment, maintenant, d'aller à Lagos. Pour faire les grands boulots là-bas. Tu as vraiment raison, mec. Tu sais, là-bas, c'est grand. Ça sera bien. T'en dis quoi, mec? Écoute, tu as raison, mon cher. Je crois c'est le moment. C'est la raison, mec. Attends. Oui, allons-y. Allons-y. Tu disparaître de ce côté ici. Allons-y. Ok. Je trouve vraiment qu'il y a une très, très bonne idée. Est-ce que vous comprenez? Alors, dépêchons. Allons-y. Oui, je comprends tout ce que vous êtes en train d'expliquer. Dieu va vous bénir. Ça va, ma chère. Je t'en prie, c'est bon. Madame, prends cet argent. Tu peux ajouter ton commerce. Ça, c'est la somme des 50 000 naira. J'aimerais que tu cherches une école aux environs pour inscrire ces enfants ici. Ils doivent étudier. Mon avocat viendra payer tout le frais dès que tu les inscris dans une école. Chaque enfant mérite d'aller à l'école. Oh! Dieu va te bénir, maman. Merci, ma chère. Merci. Tu ne manqueras plus rien dans ta maison. Amen. Merci, maman. Merci à toi aussi. Merci. C'est bon. Merci. Hey. Annabelle,
Regarde, regarde l'argent qu'elle m'a donné. Elle a promis d'envoyer mes enfants à l'école. C'est vrai. Oh, Dieu. Merci, madame. Que Dieu vous bénisse, madame. Oh, mon Dieu, ne m'a jamais... Oh, il ne m'a jamais madame, menti. Qu'est-ce que tu amènes là? Mon sac, madame. Tu n'en as pas besoin. Remets ça. D'accord. Mon chéri. Bébé. Tantine, prenez très bien soin de vous, ainsi que des enfants. Je viendrai de temps en temps vous rendre visite. Je ne vous oublierai jamais. Annabelle. Annabelle. Prenez soin de vous. Okay? Prends soin de toi. Prends bien soin de toi. S'il te plaît, ne m'oublie pas, hein, s'il te plaît. D'accord. Ok. Je le ferai. Bye. Bye. Hey, mon Dieu ne m'a jamais, oh, il n'a jamais menti. Oh mon Dieu ne m'a jamais, il n'a jamais. Oh Dieu, je manque quoi te dire, je manque les mots, je ne sais pas qu'est-ce que je peux te dire, qu'est-ce que je peux te donner. Tu es celui qui a envoyé cette femme pour me bénir. Maintenant, bénis-la abondamment, mon Dieu. Oh, merci papa. Tu vas vivre ici avec moi. Oui. Celle-ci, c'est ma secrétaire. Elle arrange tout pour moi. Elle dit comment faire. C'est comme ça. Oui, madame. Merci. Peu importe ton besoin. Elle va résoudre ça. Je veux que tu sois heureuse. Et je veux que tu utilises très bien cette opportunité que tu as eue dans la vie. Ça m'est arrivé et je te mets dans ça. Et je sais que tu vas bien le faire. Hmm? Merci, madame. Et maintenant... Merci beaucoup. Peu importe d'autres problèmes que tu as, il suffit juste de les dire. Dis-le-moi, je ferai un effort de t'aider. Merci énormément. Vous avez beaucoup fait pour moi. Je ne sais même pas comment vous dire merci. Mais ma joie ne sera jamais complète si je ne parle pas de mon frère ainsi que de ma sœur. Peu importe où ils sont, je sais que les choses ne vont pas bien avec eux. Lazy, tu vois pourquoi je l'aime beaucoup? Elle a un bon cœur. Oui. Ça, c'est pourquoi Dieu va continuer à les bénir. Amen. Ne te dérange pas. C'est bien. Liz, va arranger. Vous devez vous irez au village voir tes frères. Tu peux d'ailleurs le ramener ici. Merci beaucoup, madame. Merci, que Dieu vous bénisse. Je suis reconnaissante. Merci beaucoup. Je l'accepte, c'est bon. Merci, madame. Lève-toi. Merci, merci énormément.
C'est où déjà? Ici. D'accord. C'est un très bel endroit. Merci. Nancy! Ah! Mon père! Oh, ma chérie, regarde-toi! Comment vas-tu? Nancy! Regarde-toi! Tu n'as pas une bonne apparence. Ah. Est-ce que l'oncle est là? Non! Mais Tantine Alice est à l'intérieur. Ok. Elle, c'est ma jeune sœur Nancy. Ok. Nancy, elle, c'est la secrétaire de notre compagnie. Achanté. Merci, grande sœur. Alors, Uche, où est-il? Uche. L'oncle l'avait fait arrêter à la police. Il lui avait accusé d'avoir volé son argent. Quand Uche était de retour, l'oncle ne lui avait pas permis d'entrer dans la maison. Depuis lors, Uche a disparu. Et je suis sûre qu'il a rejoint un groupe de malfaiteurs. Oui, le groupe de malfaiteurs. Et je ne sais pas s'il va bien. Où c'est qui lui est arrivé? Dieu. C'est mauvais que Uche subisse cela. Peu importe, Nancy, je te demande de rassembler tes affaires, ok? Je t'emmène à Lagos demain. Moi? Oui. Donc tu veux dire que je vais quitter ce village? Arrête! Oh merci, tu es gentille! Oh arrête, arrête de pleurer, s'il te plaît. Hmm? Je viendrai demain, je pars chez mon ami Ezine et passer la nuit là-bas. Hmm? Je reviendrai te prendre demain matin. Hmm? Prends bien soin de toi, ok? Oh s'il te plaît, arrête de pleurer. Hmm? Ok. Prends bien soin de toi, je te prends demain, ok? Prends soin de toi, ok? Hmm. Bye, ma chérie. Franchement, je te dis. Oh, ma merci. Grande sœur. Bienvenue. Merci. Ma chère. Bienvenue. Place. Vas-y, prends place. Comment tu vas? Nancy, où est donc l'oncle? Il est à l'intérieur. Laisse-moi aller l'appeler. Appelle-le pour moi. Viens, écoute-moi. Il ne faut pas tout dire à ton oncle, d'accord? Oh, menadjaja. Ah! Donc, c'est vrai que tu es en vie et que tu es en bonne santé? On y est quand même. Hey! Oh, menadjaja. Annabelle. Tantine, bonjour. Oh, regarde-toi. Oncle, bonjour. Bienvenue, 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 bienvenue. Vous êtes toutes les bienvenues. Merci. Hein? Merci. oncle. Hein? Elle, c'est mon amie. Ok. Notre secrétaire de la compagnie. Hein? Lizzie, hein? Mon oncle et sa femme. Mm. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, sois la bienvenue. Bon après-midi, oui, madame. Oui, il n'y a pas de quoi. Hey, vous avez l'air toute belle, oh. Merci, monsieur. Merci. Hein? Il y a une voiture que j'ai vue dehors. Est-ce bien la tienne? Oui. Hein? Tu es la propriétrice? Oui, c'est ma voiture. Oh mon Dieu, voyez-moi ça! Hey! Oncle. Hein? J'aimerais te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Non, allez, oublie tout ça, oublie tout ça. Que Dieu te bénisse abondamment. Écoute, je peux faire ça gratuitement. Oui! Eya, Dieu merci, tu es revenu. Depuis que tu étais parti, nous étions très inquiets à propos de toi. Elle s'est beaucoup inquiétée pour toi. Veux-tu manger quelque chose? Nous avons la sauce aigu aussi et les nougos. Même la soupe de Néo. Ah non, pas du tout. Ne vous inquiétez pas. Alors, qu'en est-il de ton ami? Non, maman, ça va. Oncle, suis venue prendre Nancy pour l'emmener à Lagos. Nancy? Non, nous nous sommes arrangés pour qu'elle puisse étudier ici. Oh, t'inquiète. Une école du gouvernement. Oncle, t'inquiète. Avec une bourse d'études. Je veux m'en occuper, t'inquiète. Nancy, as-tu déjà mangé? Va dans la cuisine prendre quelque chose. Il y a du poison frais, du poisson frais. Non. Du poisson, tu manges pas? Je n'ai pas faim, mon oncle. Oh mon Dieu, tu manges pas ça? Oncle, nous partons déjà.
Oui. Omena Janja, vous avez l'air en pleine forme. Merci. Hein? Sérieusement. En tout cas, ça c'est vrai. Écoute ma fille, tu dois toujours te souvenir d'où est-ce que tu proviens. Nous avons assez de pensées. Ça nous a demandé beaucoup d'efforts pour te faire parvenir là où tu en es aujourd'hui. Alors ne nous oublie jamais. J'espère que tu ne vas jamais nous oublier. Oncle, je t'ai écouté. Ok. Allons-y. 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 Ah, Chief! Bienvenue. Bonjour, Chief. Bonjour, ma chère. J'ai pensé que c'était du mensonge, alors que tu es vraiment revenu. Maintenant que tu es revenu, je crois que tu es venu, non? Chief, je t'ai donné ma fille pour que tu l'épouses. Mais ta femme et tes enfants l'avaient chassée d'ici, et au moment où elle est revenue ici, elle était presque morte. Qu'es-tu encore en train de demander? Mes femmes et mes enfants ne sont pas contre mon mariage avec d'autres femmes. Ce que mes femmes et mes enfants n'apprécient pas, c'est ta méchante et impolie fille. Voici la fille que je veux et dont je veux prendre soin. Chief, je n'ai jamais insulté un aîné. Ne cherchez pas à ce que je puisse vous insulter. Oumé, j'ai entendu Chief, ça. Si je peux prendre la parole, si seulement c'était ta fille, tu allais la laisser prendre un homme qui est comme son grand-père? Ma chère. Chief, regarde-toi. C'était préférable que tu la mettes dans une bonne école pour qu'elle apprenne et qu'elle devienne utile dans la société. Toi, tu ne connais absolument rien. C'était un accord. C'était un arrangement. Un accord. On a passé Chief, un accord. Chief, alors, laissez-le vous donner sa fille. Oh. Ok. Non, si. Non, mais allons-y. Mais c'était toi fait. Dont il avait parlé. Oumé. Je reviens. Oumé. Je reviens. Je pense que tu vas vendre la parcelle que ton frère t'avait laissée. Regarde. Madame, tu as vu ce que ton mari a fait? Et tu veux m'entraîner de voir ce qu'il fait? Qu'a-t-il après, fait? Après avoir passé un accord avec moi de me donner Annabelle. Et tu as vu ce qu'il a fait? Je n'étais pas là quand vous avez fait l'arrangement. Tu n'étais pas là? Oui. C'est bien, d'accord. Du moment où je vais vraiment braser votre famille, je ne sais absolument rien, Chief. C'est bien. Alors, je n'étais pas là au moment de l'arrangement. Donc je crois que la meilleure chose à faire, c'est me rembourser mon argent. C'est imprudent. Quel argent? Est-ce que tu comprends? Tu ne sais pas avec quoi tu joues. Au ménage, tu sais, quand j'aurai fini avec toi, c'est alors que tu sauras de quel bois je suis fait. Au ménage, Je te donnerai une leçon, Oumé. Au ménage, d'accord, on verra. Allons-y, allons à l'intérieur. Voilà un chien qui aboie toujours, mais sans pourtant n'importe montrer quoi. Que ce soit. Hein? Enfin, on est à la maison. Wow, ça n'a pas changé ici, hein? Ça n'a pas changé. Allez, chérie, mais paye le taximen, non? Et j'espère que tu vas me rendre ça. Oh, allez, tiens, bébé. Voilà. Combien est-ce que tu me dois déjà? 1 million. Viens, on y va. C'est ça, bien sûr. Wow. Wow. Ah, nous voici de retour au pays. Ah, vraiment, ça fait très longtemps. Hein. Apparemment, tout a changé ici. Ne vois-tu pas? Rien n'a bougé ici. Hein. Sérieusement, rien n'a changé. Wow. Une seule question. Y a-t-il quelqu'un à la maison? Oui, nous allons les découvrir. Ah, vraiment. Devrais-je frapper à la porte? Eh bien, tu peux le faire, chérie. Oh. Vas-y, fais-le. Allô? Est-ce que tout le monde est là? Ouvre-le juste. C'est ouvert.
Entrons. Oh, gloire à Dieu. Les dames d'abord. Tout le monde est là? Enfin, on est arrivé à la maison. C'est splendide. Eh ben... Non, mais est-ce que tu imagines? Tu sais, ça fait pratiquement 15 ans depuis qu'on est parti. Oh, bien, si ce n'est pas le cas pour toi, mais pour moi, je les trouve fantastiques. Salut, tu te souviens de ma petite chambre, là? Pas possible. J'espère que... Vraiment? Sérieusement, hein? C'est vraiment magnifique, c'est bien, merveilleux. Bien. C'est comme si la pièce était devenue plus petite. Vraiment. Oh, regarde un peu ce sofa là. Nos photos d'enfance. Salut maman. Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais maman, sors d'ici. Mais maman... J'ai dit sors de ma maison. Il est toujours ton fils. Tu as oublié? As-tu oublié qu'il avait pris la part de ton père? Et il avait témoigné contre moi devant la cour? Voilà pourquoi ton père s'est divorcé avec moi. As-tu oublié? Tu devais partir chez ton père. Maintenant, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Maintenant, sors d'ici. Maman, il s'est honnêtement converti. Tu veux me convaincre que le diable peut se repentir? Sors de ma maison avant que je n'appelle la police. Non, maman, s'il te plaît, n'appelle pas la police. N'appelle pas la police, s'il te plaît. Il est venu voir si je suis morte. Comme ça, il va prendre mes affaires. As-tu réfléchi? As-tu... parler avec lui? Je crois que si. Parce que maintenant je t'ai donné les habits de Marc, je t'ai allé. Il suffit que je puisse voir quelque chose de suspect et je te chasse de cette maison. Quand es-tu venu la dernière fois au Nigeria? Quand étais-tu venu me rendre visite? Même quand j'étais malade, tu n'as pas compati. Pendant 5 ans. Tu m'as jamais vu. Et maintenant, tu reviens? Je vais te mettre dehors, comme ton frère. Je l'ai oublié. Fais attention. Fais attention. Oh, Seigneur. Non, mais sérieusement. Hey, bro, tu dois mettre bas la terre. Nous devons tourner les cerveaux. Oh, Dieu. Seigneur. Serait-il imaginé la façon dont tu m'as mis dehors? Je vais vraiment perdre patience. Je vais faire n'importe quoi. Considérant le fait que... elle va mourir bientôt. Je la connais bien. Et je sais ce qu'elle va faire. Vendre les propriétés. Les donner en œuvre charitaire et... à ses frères et à oncle Elvis. Tu as raison, tu sais. Mais je ne sais si je peux la blâmer. On n'a jamais été là pour elle. Particulièrement quand elle avait besoin de nous. Tu sais ce que je pense? Puisque nous ne sommes pas évidents d'être favorisés après sa mort, le mieux à faire pour nous serait de nous accaparer de tous ces documents. Comment serait-ce? Comment? Montons des stratégies pour que nous y arrivions.
juste question de trouver comment la briser. Et je ne pense pas non plus que cette tâche serait difficile pour moi d'accomplir. Tu as toujours une solution à tout. Sis, tu as toujours une solution. Sois calme. Nous serons toujours en mesure de vendre quelques propriétés. Nous devons nous dépêcher. Plus de temps à perdre, crois-moi. D'accord? Je suis d'accord avec toi. Sois tranquille, ça ira. Je confesse que je suis vraiment impressionnée de la façon dont tu as fait ces projets. Merci, maman. Je ne pouvais pas faire mieux. Merci, maman. Vous m'avez appris comment le faire. Oui, mais tu apprends très vite. S'il te plaît, prends place. Oui, maman. Je veux t'amener chez l'avocat. C'est lui qui s'occupe de toutes les affaires de cette compagnie. Oui. Bientôt. C'est pas pour longtemps, très bientôt. Je veux que tu t'assieds sur cette chaise et que tu puisses gérer toute l'entreprise. Je suis vraiment impatiente. Merci, maman. Juste une minute. Oui, s'il te plaît, appelle-moi l'avocat, dis-lui de venir dans mon bureau. Je peux? Bonjour, madame. S'il te plaît, mets-toi. D'accord. Annabelle. Maman. Ça, c'est l'avocat, Faustin. Maître, elle, c'est Annabelle. Le plaisir est mien. C'est un plaisir aussi. Bientôt, c'est elle qui va gérer cette entreprise. Alors, je veux que tout soit mis sur papier. Félicitations. Alors, combien d'enfants avez-vous avec Madame Janet? Oh non, nous n'avons pas d'enfants. En fait, nous ne sommes pas mariés. Est-ce qui est vrai, le jour où tu es parti, c'est le jour où je l'ai quitté? Je crois qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas trop. Bien, j'espère que ça n'a rien à voir avec moi. En quelque sorte, c'était ça. Cependant, ça m'avait permis d'ouvrir les yeux et de comprendre le genre de femme que je comptais sérieusement à épouser. D'accord? D'accord? Et je ne veux pas que tu t'inquiètes pour ça parce que ce n'était que dans le passé. D'accord? Et sois un peu de parler de maintenant. Je suis heureux. Je suis heureux que tu aies réussi. Merci. Tu sais que Madame Amelia... Elle te respecte et elle t'aime énormément. Je veux dire, elle t'aime énormément à tel point que deux fois, elle s'est dit qu'il fallait que tu sois sa fille. Un toast? Pour le succès. À la reçute. J'arrive.
Oh, déjà? Qui ça peut bien être? Salut! J'espère que c'est toi, Lucie. J'avais appris que vous étiez venue depuis hier, mais je n'étais pas du tout disponible pour vous voir. Je suis Annabelle, ravie de te rencontrer. C'est donc sur toi que notre mère a mis toute son attention pour nous mettre de côté, hein? Excuse-moi? Écoute, n'essaie même pas de t'approcher de moi comme mamie, puisque ça ne marchera pas. Tu m'entends? Je ne me mêle pas avec les gens de basse classe, espérant que tu me comprennes. Alors, mon conseil pour toi serait de rester très loin de moi, qu'est possible. M'as-tu pigé? Oh oui, bien mon gars, c'est ça. Nous sommes déjà en train de courir derrière le temps. Il va venir. Tant mieux. Eh bien, je crois que c'est lui quand qui est là. Quand on parle de nous. Monsieur oh, Joe. Oh, oui, CJ. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et toi? Oui, très bien. Merci. Prenez place. Salut. Comment vous allez? Je vais très bien. Et vous? Prenez place. Merci beaucoup. Bien. Oh, bien. Yeah. Merci. Ah, oui, bien. Monsieur CJ, est-ce qu'on peut voir le document? Juste là. Noir sur blanc. Bien, merci. Très bien. Alors, Monsieur CJ, combien d'argent es-tu en train de demander? Je sais que la construction est impeccable. Donc, cela vous demandera une somme de 7 millions. 7 quoi? 7 millions de dollars. Non, CJ, c'est beaucoup trop. Qu'en est-il de 4 millions de naira? Alors, mon vieux, arrêtez d'être si pathétique. Vous savez quoi? Allons avec à 6. Ou j'irai chercher quelqu'un d'autre. Ok. Ne perdons pas beaucoup de temps sur ça. Je t'offre 5,5 millions. C'est d'accord? Félicitations, monsieur. Vous l'avez. Vous avez gagné. Mais où et quand vais-je avoir mon argent? Je veux que vous me laissiez du temps pour essayer de rédiger le document. Donc, je vous reviens la semaine prochaine. Ne peux-tu pas nous fixer un délai? Et c'est une affaire qui prend beaucoup de temps, d'accord? Donc, je vous reviendrai quand on aura fini avec tout ça. C'est un bon deal. Ah, ouais. Bien, d'accord, c'est bon. Merci. Le marché est complet. Gardez-le, c'est une copie. Nous avons l'original. D'accord, merci. Oui, merci. Je vous accompagne. Prenez bien soin de vous. Pour vous. Au revoir à vous. À très bientôt. Ok, d'accord. Tu sais quoi, Jay? Nous devons vite passer à l'action. Puisque je crois que les nouveaux travailleurs chercheront aussi à voir les documents pour chercher d'autres bailleurs, juste comme nous venons de le faire raison. Ici. Mais, Sorette, j'étais en train de réfléchir. Ce gars, il ressemble à l'avocat de... Allez, arrête, non. Bien, je vais chercher quelqu'un d'autre. Je vais le faire immédiatement. Ouais, c'est une bonne chose, comme ça nous aurons plus de choix. Ouais. Ok, bien, c'est bien, espérons que ça aille vite. Ici. Ouais. Et si aussi, il faut bien garder ces documents. Ouais.
quelle couleur de vernis que tu m'aimais? La couleur dorée. Parce que je ne veux pas ce qui est sombre. Qu'est-ce que tu aimes? Je ne veux pas que de petits garçons puissent courir après vous tout en croyant que vous êtes une petite fille. Oh, cette fille, tu vas pas me tuer. C'est bien, ils seront après moi. Ça, c'est bien. Ta sœur a appelé. Elle le fera demain. Vous savez qu'elle devait d'abord avoir une carte SIM. Oh, ça, c'est bien. C'est seulement que j'aime qu'elle m'appelle seulement sur son numéro. Donc, elle m'a appelé dans des cabines publiques. Oh, ma chère. C'est juste ma faute. Je n'ai pas voulu qu'elle aille au service des jeunes. Mmh. Elle me manque beaucoup. Allô? Oui? Quoi? Es-tu sûr? Oh mon Dieu! Oh. C'est bien. Viens rapidement avec ces documents à la maison, ok? Allô? S'il te plaît, appelle Maître Fortin. Dis-lui aussi de venir immédiatement ici à la maison. Ok, j'attends. Ces enfants ne vont pas me tuer. Ils ne seront pas. Ma chère, on doit descendre là-bas. Hein? Ok. S'il te plaît. Dis à l'agent de la sécurité d'être prêt. Hein? Ok. Je veux que cette fille va à la police immédiatement. Oui, maman. Ils veulent me tuer. Je veux m'assurer qu'ils partent avant moi. Oh, mon Dieu. Salut maman. Salut à vous tous. Ah, ça sent bon. Vous préparez quoi? Maintenant, tu me montres ta vraie couleur. Qu'est-ce que cela veut dire? Regarde-le bien. Regarde si tu lui as déjà rencontré quelque part. Oui. Il travaille dans l'une des agences qui gère mes propriétés. Et c'est à lui que vous aviez décidé d'aller vendre ma parcelle. Malheureusement. Tu as vu ce que je disais? Toi et ton frère, vous êtes vraiment des enfants impossibles comme votre père. Et maintenant, sors de ma maison, vite! Prends ça! Ça, c'est le document de la parcelle que vous lui avez vendue. Je te le donne comme ton héritage. Elle prend ça et sort de ma maison. Tu n'as que 10 minutes pour faire tes valises et sortir. Tu me chasses de la maison, juste comme tu l'as fait à mon frère? Pourquoi tu ne me laisses pas faire ma vie? Hein? Ça a toujours été Lucie, ceci, Lucie, cela. Je te demandais jamais pourquoi je suis rentrée. Maintenant, ferme-moi ta bouche et sors de ma maison. Allez, fais tes valises et va-t'en. Bien. Allez, sors. Merci. Je m'en vais. Sors de ma maison. Va-t'en. Sors de ma maison. Va. Maman.
Madame, désolée, maman. Laissez-moi appeler l'infirmière. J'arrive, maman. Viens. Maman. Annabelle. Où est mon infirmière? Tu l'as appelée? Je l'ai fait. Elle est en route. Elle vient d'appeler. Désolée. Si quelque chose m'arrivait, si tu es ici... Maman, s'il vous plaît, rien ne va vous arriver. Ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Hein, ça va aller, maman. Ne vous inquiétez pas. Où est le maître avocat? Oh, merde. C'est moi, Elvis, ton frère. Je suis là. Voici les avocats, je les ai annoncés. Maman, désolé. Les avocats sont ici, d'accord? Ça va aller, madame. Calme-toi, apaise-toi. Ne parle plus, d'accord? Ça va aller. Ça va aller. Je vous ai tous appelés ici pour que vous... C'est d'accord. Calme-toi, calme. Maman, désolée. Ça va aller. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Maman. Non, c'est d'accord. Ne parle plus, calme-toi, hein? Apaise-toi. Oh. C'est ça? Maman. Est-ce qu'elle va bien? Êtes-vous sûr qu'elle est encore vivante? Amara? Quoi? Mon Dieu. Arrive-t-elle à respirer? S'il te plaît, elle n'arrive plus à respirer. Elle est morte. Donc ça veut dire qu'elle est morte. Hein? C'est ça? Qu'allons-nous faire? Annabelle, c'est bon, d'accord? Donc ça veut dire qu'elle est morte. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. D'accord, je comprends. Mais... C'est d'accord. Je crois qu'on Annabelle, c'est bon, d'accord. D'accord, allons-y. Ça va aller, Annabelle. D'accord. Annabelle, ça va aller, t'en fais pas. Désolé. Désolé. Nous allons revenir, d'accord? Annabelle, va dans ta chambre. Va dans ta chambre, d'accord? Thank you.
assure-toi de le recadrer et de le mettre à sa place. Oui. Salut. Je peux voir que tu es l'avocat de ma mère, mais je ne t'avais pas vu là à l'intérieur. Je ne comprends même pas ta véritable position. Bien, comme vous le savez, je suis un avocat. Alors, comment peux-je vous aider? Oh non, non, tu ne peux pas m'aider moi. Comme tu le sais bien, je suis CJ. Christopher Junior. Eh bien, je suis Lucie, son premier enfant. Je suis au courant. Bien. Je ne vois pas ta position pour les papiers des propriétés de ma mère. Ce que je me demande, c'est quand vas-tu les obtenir? Mon Dieu. Tu m'as vraiment étonné. Je veux dire, votre mère vient tout juste de mourir et tout ce que tu peux penser à, c'est le document de propriété. Elle est morte? As-tu un problème avec ça? Bien, au cas où vous ne le savez pas, il y a un testament qui doit être lu après ses funérailles. Quand est-ce que vous allez l'enterrer? Je ne sais pas, peut-être que vous pouvez demander à votre oncle. Au cas où vous ne le savez pas, voilà votre oncle. Je m'excuse. Bon, d'accord, on va voir ça. Oncle okay. Elvis. Oncle Elvis. Bonjour. Je me demandais seulement quand est-ce que les funérailles commenceront, parce qu'il faut absolument que je récupère mes propriétés. Alors on n'a pas que ça à faire. Tu n'as pas changé, Christopher Junior. C'est hier que ta mère est morte et aujourd'hui tu me parles de l'héritage. Yo, calme-toi, ok? Relax. Je ne suis pas étonné de la façon dont vous vous comportez. Vous n'êtes qu'une honte. Et toi, Lucie? Oui, Angélique. Je ne sais pas qui de vous deux est mieux que l'autre. Ma sœur vous a mis au monde, vous deux, mais vous vous comportez comme si elle n'a jamais eu d'enfant. C'est moi le titre. Honte à vous! Honte à vous! Yari yari yara. Oh mon Dieu, yari yari yara. Honte à toi. Honte à toi. Yari yari yara. Je suis encore le bon, truc, bien sûr. Mauvais garçon. Grande sœur. Qu'allons-nous faire parce que maman est morte? Où irons-nous maintenant? Lucie, Jill et Lucie n'ont jamais été d'accord avec nous. Et ils vont faire un effort de nous chasser loin de cette maison. Qu'est-ce que nous allons faire? Mon Dieu, telle est notre destinée. Nous rentrons dans la même situation. Seigneur, tu as pris celle qu'on appelait notre deuxième maman. Oh. Bien, 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 mes petites chéries. L'orphelinat a fermé. Votre bienfaitrice est morte. Bien comme vous le savez, c'est moi son premier enfant. Ainsi, le droit me revient de décider ce que nous ferons avec nos propriétés, ainsi que cette maison. Bien comme vous l'avez constaté que je ne partage pas le même avis que ma mère, je ne vous laisserai pas rester ici, puisque je ne me mêle pas avec les gens de basse classe. Et sur ce, je vous suggère de faire vos bagages et de partir de cette maison, sinon je vous mettrai dehors. Et croyez-moi, plus rien ne me donnera assez de plaisir. Vous avez 5 minutes, j'active le compteur. N'avez-vous pas compris ce que j'ai dit? Tu n'as pas besoin de compter. Donne juste quelques temps pour emballer nos affaires. Aucunement dans ta vie, chérie. Dehors. Dégarpissez! Des sottises.
Annabelle, où est-ce que vous allez? Nous sommes en train de partir. La nouvelle propriétaire nous a demandé de partir. Vraiment? Juste comme ça? Juste comme ça. Elle avait dit qu'elle allait nous chasser si nous ne sortions pas. Ok. Et où est-ce que vous allez? Je ne sais pas. Je peux prendre une chambre d'hôtel, même pour une semaine, en attendant que je puisse trouver une maison. Ne faut pas suivre cette stupide fille. Tu peux imaginer qu'elle essaie de me dire, moi, que je suis licenciée. Mais je lui ai dit que ce n'est pas elle qui m'avait employée. Et je refusais. Elle n'a même pas le droit de me licencier. Quand je vais m'occuper du bureau demain, et laissons-la venir me licencier. Bien, et parlons de vous qui veulent aller à l'hôtel. Bébé chéri, ce n'est pas une bonne idée. C'est parfois déconseillé. Ah, ok, j'ai des grands appartements. Je m'occupe d'un seul et vous pourrez prendre l'autre là qui est resté, si cela vous va. Merci énormément. Je vous en prie. C'est très gentil de ta part. C'est pas grave, d'accord? Ça ira. Oh, c'est très touchant. Pensez-vous que je vais me laisser par vos émotions? Allez, dehors. Maintenant. Nancy. Allons-y. Dehors. Ne s'occupons pas de cette stupide fille. Je vais vous aider à mettre vos bagages dehors. Je n'importe quoi. Dépêchez-vous, allez dehors. Et attention avec ça. Serette. Oh. Regarde qui j'ai trouvé. Et vous? Allez, venez ici. Infirmière, je ne suis pas malade. Mm-hmm. Nous sommes en mesure de nous nourrir. Cuisiner. D'accord? Oui. Viens. Vous avez 5 minutes pour partir d'ici. On va dehors! Des insensés. Sérieux, Serette? Il n'y a que toi, rien que toi et moi pour prendre soin l'un et de l'autre. Ouais, très bien, c'est bien. La prochaine chose à faire? Aller dans ce bureau, mm-hmm. nous emparer de l'endroit. Et là, on l'aura fait. Imagine un peu combien est-ce qu'on va contrôler. Mm-hmm. Tu sais quoi? Sais-tu que maman a légué tout son héritage à ses soi-disant Annabelle? Et qu'elle devait fonctionner comme manager général? Non, ce n'est pas possible. Donc nous aurons fini avec les problèmes de la maison. Je vais virer cette stupide Annabelle et tous ces vauriens d'avocats et tout le monde dans cette compagnie. Oh oui. Ouais, c'est ce que je vais faire. Que sommes-nous en train d'attendre? Toastons à ça alors. Je crois bien. Je le pense aussi. Servante. Correction. Oh. Nous venons juste de les virer. Ok, c'est bon. On peut passer à autre bien chose. Bien sûr, on va prendre tout ce qu'on veut. Madame? Non, non, non. Si tu vas m'appeler par ce nom, tu n'as qu'à sortir de mon bureau. Madame, que tu le veuilles ou non, tu es maintenant ma patronne. J'attends. Ok. Comment veux-tu qu'on procède déjà? Je suis toujours en train d'attendre. Ok, ok. Vas-y. C'est une charge, hein? Ok. Alors, que veux-tu que je fasse pour toi? Devine qui veut te voir. Qui? C'est en fait terrible. Christopher Junior. Qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais pas. Peut-être que tu dois lui demander toi-même. Dois-je le faire entrer? Ok. D'accord. Alors, il faut que tu sois prudente. Je te préviens. Il n'y a pas de souci. Je sais.
Bonjour, Madame Annabelle. Mon nom est Christopher Junior. Ravi de te connaître. Bienvenue, prends place. Merci. Honnêtement, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Et ma mère a beaucoup survécu grâce à toi. Je suis là pour te dire merci pour la façon dont tu as pris soin de maman. Merci. J'avais aussi beaucoup entendu sur toi. Et je dois confesser que ce que j'avais écouté n'était pas du tout impressionnant. Je sais. Non. Je ne me suis pas conduit comme elle le voulait, mais... Mais je dois réaliser que... qu'il était déjà trop tard. J'ai essayé d'arranger avec ma mère. Mais elle ne m'a pas accepté. J'aurais aimé que ce soit le cas. Si elle avait vécu plus longtemps. Je suis un vrai loser. Quoi qu'il en soit, j'étais juste revenu pour voir à quoi ressemblait l'endroit et te remercier pour avoir été là pour maman. C'est bien d'être venu. Veux-tu que je te fasse visiter? Je sais que je n'ai pas eu le temps de dîner, mais je n'ai pas du tout le temps à perdre. Tu sais quoi? Ma joie sera complète si seulement je t'emmenais dîner avec moi. Regarde, je... Voyons, non, tu sais que tu es de la famille maintenant. Je veux dire, faisons cela pour nous connaître encore plus. Je t'en prie. Allez. Je t'en prie. Ok. Pour le bien de notre famille. Avant qu'on fasse cela, je veux juste te dire, je suis vraiment désolé de la manière dont ma sœur t'a expulsé de la maison. Je suis vraiment désolé. Et je te demanderai s'il te plaît de revenir dans la maison à laquelle tu appartiens. Merci beaucoup pour ta considération. Mais je suis contente de là où je suis. Très bientôt, j'irai dans ma propre maison. Bien, pouvons-nous partir? Bien, allez, par ici, madame. Ok. Comment as-tu fait pour être si proche de ma mère comme ça, hein? Merci énormément pour cette sortie. Tu sais quoi? J'ai adoré passer du temps avec toi. Sérieusement, je le jure. Viens là. Salut. Salut. À plus tard, ok? D'accord. Bonne nuit. Je vais t'appeler. Je t'en prie, n'oublie pas. D'accord? Ma chérie. Je suis sûre que tu commenceras à me dire pourquoi tu as tardé et pourquoi tu as disparu juste comme ça.
J'espère que je t'avais appelé pour te dire que je ne vais plus rentrer au boulot parce que je n'avais plus assez à faire là-bas. Ok, ok. Et d'où viens-tu alors? Écoute-moi, cette façon de sourire ne t'amènera rien du tout. Et surtout pas chez moi. Dis-moi juste, d'où viens-tu? Réponds-moi. J'étais au restaurant. Après, là-bas, on avait changé encore de restaurant. Ma chérie, il était très merveilleux. Je n'ai jamais passé un temps comme ça auparavant. J'ai beaucoup aimé ma chérie. Tu sais, CJ est une très bonne personne. Il m'a beaucoup fait rire. Je pense que je l'apprécie. Maintenant, je suis heureuse pour toi. Anne, je suis heureuse parce que tu es aussi heureuse. Ok? Mais je ne connais pas vraiment cet homme. Et sincèrement, tu dois vraiment être prudente. Est-ce que tu me comprends? Ah, de toutes les façons, mais c'est l'avocat qui était venu te chercher. Oh, oui! Oh, mon Dieu! Mon Dieu, il m'avait demandé de dîner avec lui. Oh, j'avais totalement oublié. Combien de temps cela te prendra pour que tu comprennes que cet homme est vraiment amoureux de toi? Comment peux-tu dire ce genre de choses? Ça ne peut pas être vrai. Écoute, je les prends comme un grand frère, ça suffit. Bébé chéri, tu as les yeux, mais tu es incapable de les voir. De toutes les façons, il m'a dit de te rappeler que la lecture du testament est prévue demain à 9h. Ok, le testament? Pourquoi dois-je être là? Ce n'est pas mon problème, qu'est-ce que j'ai à voir là-bas? Ce ne sont pas tes affaires, mais tu dois être là. Tu me laisses derrière. Mais comment je peux te laisser? Tu viens d'arriver. Oh, s'il te plaît, je suis désolée. Tu es venue trop tard. Oh, mais attends, désolée. Oui, après nous être présentés, je veux maintenant procéder avec les testaments, excepté si quelqu'un a une question. Oui, j'ai une question. Oui? Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Je peux encore être large pour l'avocat. Puisqu'il est témoin de cette volonté. Mon oncle Elvis, il est de sa famille. Le secrétaire, il fera rapport de l'événement d'aujourd'hui. Mais ce que je ne comprends pas, c'est la présence d'Annabelle. Eh bien, l'issue, ta maman l'avait déjà éclaircie. Et je crois aussi que dans peu de temps, tu vas tout comprendre. D'accord? Je crois que j'ai répondu et je veux maintenant procéder à sortir le testament de ma mallette. Et le voici. C'est donc ça le testament. Alors, je m'en vais maintenant l'ouvrir. Mes chers amis, est-ce que c'est le testament dont vous avez été témoin lorsque Madame Amelia Johnson était en train de signer? D'accord, c'est bien. Donc nous vous avez été témoin avec celui-ci, d'accord? Pas tout de problème. Est bien, merci. Donc après l'avoir maintenant sorti, je pense que je dois maintenant lire ces testaments. Volonté et testament de Madame Amelia Johnson. Que vous le sachiez tous à travers ces présents, que moi, Madame Amelia Johnson, une citoyenne nigérienne adulte, personne physique confirmée en bonne santé mentale. Je m'en vais faire ces testaments comme étant ma dernière volonté. Comme c'est mon dernier souhait, que le contenu de ces souhaits ne soit contesté en aucune voie légale ou en aucune autre manière. Et je signe ceci dans mon état de résidence au regard de la volonté faite en ce jour, le 12 novembre 2004, en présence de Monsieur l'avocat Jonathan Aizé, le roi Stéphanie et Madame Elvis Johnson, signé par Madame Amelia. Voici maintenant ma volonté. 1 million de naira doit être remis à Christopher Junior que j'ai déshonoré il y a beaucoup d'années passées. 1 million de naira doit être aussi remis à ma fille Lucie et la parcelle se trouvant sur le numéro 5 de l'avenue Adenine Ogouya. Et ça, c'est la maison qu'elle a presque vendue avec mon consentement.
5 millions de naira doivent être remis à Madame Nancy Ndoukwe et la maison sur l'avenue Okota numéro 33 lui appartient. 10 millions de naira doivent être remis à Annabelle, celle que je prendrai et qui sera ma fille et la maison dans laquelle je vis présentement va aussi lui appartenir. En addition, elle est aussi promue directeur général de mon entreprise. Et c'est elle qui est censée diriger toute cette entreprise. 5 millions de naira doivent être mis aux orphelins. 5 millions de naira à mon frère Elvis et à ses enfants. 5 millions à lui encore pour sa promotion comme étant le directeur général adjoint de mon entreprise. Toutes les autres propriétés doivent être vues comme mon entreprise. Mon avocat, Fortune Ekena, et ma secrétaire, Lizzie Okeze, doivent être permis à chacun d'avoir 1% dans les parts de l'entreprise. Femmes et hommes, voici la fin du testament de Madame Amelia. Non, 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 il n'est pas question. Je vais les contester au tribunal. T'as pu entendre de toi-même, n'est-ce pas? Merci, Père. Que Dieu soit loué. CJ, je comprends combien est-ce que tu es déçu. Mais je veux que tu continues à me regarder comme ta meilleure amie. Je serai toujours là pour toi, ok? Tu sais quoi? Ceci est la meilleure chose que je puisse entendre depuis que je suis au Nigeria. Ceci est la meilleure des choses qui me soient jamais arrivées. Je te remercie. Non, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas bénéficier de cet héritage, non! CJ, est-ce que tu peux être au moins sérieux même une fois dans ta vie? C'est très préoccupant! Sis, dis-moi, qu'allons-nous faire? Non, dis-moi, qu'allons-nous faire? Tu as confronté les avocats, ils t'ont dit qu'il n'y a rien qu'ils puissent faire pour changer le testament. Rien du tout! Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais le truc, c'est que... il pourrait y avoir un autre moyen... de parvenir à cet endroit... et le seul pont, c'est Annabelle. Et j'aurai tout l'argent, la compagnie et les propriétés. Tu sais quoi, Big Sis? Je suis déjà entré. Que tu sois dedans ou non, peu importe, ça m'est égal. Tout ce que je sais est que elle doit mourir. Tu dis quoi? Elle doit mourir. C'est le seul moyen qui nous permettra de nous saisir de ses biens. Oh, serais-tu en train de parler de tuer une personne là? Par quel autre moyen serons-nous en mesure de le prendre? Es-tu avec moi? CJ, réponds à ma question pour l'amour du ciel. Es-tu avec moi? Ne veux-tu plus de ses biens? Mais réponds à ma question! Elle doit être achevée. Et je connais pas mal de gars qui vont exécuter ces plans sans pour autant chercher à avoir de l'intérêt dans cette affaire. Nous devons gagner de temps. Dépêchons-nous pour aller le contacter. Ainsi, nous allons finaliser le plan. Ok? Es-tu partant? Bien.
Dépêche-toi. Allez, oh. On y va. Hey, hey, Annabelle! Qu'en est-il de mes valises? Écoute-moi, ne m'appelle plus jamais. Laissez-moi vous aider, madame. Ah, d'accord. Oui, prends-le. Allons-y. Salut. Nous sommes enfin là. Oui. Nous sommes enfin là. Notre belle maison. Chérie CJ, je ne pouvais jamais imaginer un tel moment. Tu m'as donné la raison de vivre. Je t'aimerai toujours. Annabelle, mon bébé, tu sais, tu as changé ma vie. Et j'aurais souhaité que ma mère soit là pour voir ça. Je serais retourné à Londres. Si ce n'était pas à cause de toi. Je t'aime trop, bébé. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je vais passer le restant des jours avec toi. Et pour te montrer à quel point je suis sérieux, dès demain, nous irons voir la cour. Et on va tous les deux se marier. Attends une seconde. Je pense que je devrais te demander si tu m'épouserais d'abord. Peu importe comment tu le feras, je vais toujours t'épouser. Je t'aime beaucoup. Merci beaucoup. Je l'ai fait. Je me suis mariée à mon prince charmant. Quoi? Tu as fait quoi? Oh, je me suis mariée. Écoute, je me suis mariée hier à Sidji devant l'état civil. Regarde ma bague de mariage. Bientôt, je l'emmènerai au village pour voir mon peuple. Annabelle, as-tu perdu la tête? Mais qu'est-ce que j'apprends, Annabelle? Qu'est-ce que j'apprends? Un ami à moi vient de m'apprendre que tu t'es mariée avec un homme très bizarre. Est-ce que c'est vrai? Oui, bien sûr, c'est vrai. Oh, mon Dieu. Est-ce un problème d'être mariée? Pourquoi? Pourquoi, Annabelle? Pourquoi me fais-tu ça? Attendez une minute. C'est quoi le problème ici? Écoute, cet homme ne veut que te poser pour ce qu'il peut prendre auprès de toi. Il n'est pas une bonne personne. Arrêtez! Comment peux-tu juger quelqu'un que tu ne connais pas? S'il te plaît, je ne veux plus jamais le permettre. Si ça ne te dérange pas, je suis occupée. CJ. CJ.
Dieu doit te dire ta faute, mais tu en as vraiment fait assez. J'étais en train de te dire que cet homme t'aime beaucoup, mais tu ne m'as jamais écouté. Il attendait le bon moment pour qu'il te le dise. Oui. Comment pouvais-je savoir? Je le prenais pour mon frère bien-aimé. J'étais devant lui et il ne me prodiguait que des conseils. Mais ce gars aussi, Jay, est venu dans ma vie. Et il m'a demandé de l'épouser et je l'ai fait. Ah, Annabelle, tu ne vois pas que c'est si soudain? Tu commets une très grave erreur. Tu ne le comprends pas? Que cela prenne fin maintenant. Toi, escroc, tu crois que je ne connais pas tes plans? Tu es allé épouser cette fille à cause de ce que tu veux lui soutirer, n'est-ce pas? Enlève tes sales pattes de moi, mais quel est ton problème? Je t'observe. Dieu sait, je te mettrai à genoux. Oh oui? Sois sûr que tes jours dans cette compagnie sont comptés. Tu es fini. Ok. Je sais que tu as assez à faire dans ton bureau. S'il te plaît, excuse-moi. Ah! Allez, nous partons. Tu sais quoi? Ah, c'est chaud. Mon mariage avec Annabelle veut dire que j'ai maintenant accès à tout l'argent et de la compagnie. Je peux m'emparer des propriétés. Mais, sœurette, nous avons un problème. C'est quoi? Nous devons absolument tout faire pour nous débarrasser de ce stupide avocat. Et aussi sa secrétaire. Tu sais quoi? Ce serait une bonne idée, mais tu vois, ça prendra du temps. J'ai une solution très rapide. Est-ce que tu réalises que si Annabelle mourait aujourd'hui et que toi, son mari, serais en possession de tout, toutes les propriétés? Si nous exécutons ces plans aussi tôt que possible et qu'on le mettait de côté, tu auras directement le contrôle de la compagnie. T'es sérieuse là? Elle doit être éteinte. J'ai déjà fait mes arrangements, j'ai contacté les éléments pour passer à l'action. Sœurette, tu penses vraiment que... Sérieux, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de tourner et de tourner autour du cercle. On en a déjà parlé. Est-ce que tu penses que tu es Annabelle, fera une quelconque différence? Fais-moi confiance. C'est la meilleure des choses à faire. Les gars avec qui nous travaillons sont professionnels. Tu sais quoi, CJ? Trop parler ne sert à rien. Ils sont déjà là, prêts pour commencer. Tiens-toi prêt à mourir. Ça ne va pas arriver. Vous devez d'abord passer sur mon corps. Mais comment est-ce que vous pouvez imaginer cela? Hein? Et comme c'est ta sœur, qu'allons-nous faire de cet argent? Ne sommes-nous pas suffisamment responsables de poser un acte pareil? De quoi parles-tu, toi, Jay? Les gars, je vous en prie, s'il vous plaît, calmez-vous. Écoutez, je n'ai pas fait tout ce chemin du village pour venir jusqu'à Lagos et ne rien faire. Vous voyez? Ceci est un engagement et tu dois le prendre, que tu le veuilles ou non. Quel engagement? C'est vraiment une abomination! Avec mon propre groupe. De tuer ma propre sœur de sang. Ça n'arrivera jamais. Et mais pourquoi est-ce que vous criez? Je peux vous entendre à partir de l'extérieur. Keke, c'est une bonne idée que tu sois là. C'est à propos de la mission qu'on doit accomplir. Le travail était bien clair.
Et l'argent est déjà collecté. Voici l'argent. Voici l'argent et la photo de la fille. Ça, c'est bien. Vous avez fait un bon boulot. La fille sur cette photo est ma sœur. Quoi? Tu veux dire que cette femme sur cette photo est ta sœur? Ma propre sœur aînée. Elle ne va pas mourir comme ça. Tant que je suis en vie. Réalises-tu ce que ça va causer à notre réputation si nous prenons cet argent et que nous ne faisons pas ce boulot? Parce que ce que nous avons aujourd'hui, lorsqu'un ordre nous est intimé, nous l'exécutons, peu importe qui ça pourrait bien être. Je sais! Kéké, je sais! Et je continue à vous avertir, n'importe quelle âme qui veut tuer ma sœur, doit me tuer en premier. Surveille ta langue. Au cas contraire! Tu sais comment nous faisons ce boulot? Même lorsqu'une personne est attachée à une personne, nous l'exécutons quand même. Et nous le faisons quand même. Je dis, on ne peut pas! Kéké! On ne peut pas le faire, jamais. On ne va pas, on ne peut pas, on ne peut pas. C'est ma décision, est-ce que vous comprenez? Oui, passe, 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 passe. Sortez de la voiture, sortez! Dehors, dehors! Dehors! Sortez de là! Sortez de là! Sortez vite, 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 vite! Hein? Allez, sortez! 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 Allez, sors tout de suite! Avance! Avance! Entre là-dedans! Couvre-la! Couvre-la! Si tu fais un mouvement, t'es mort! Allons-y! On venait à peine de quitter la parcelle quand ils ont commencé à crier et à tirer dessus en désordre. C'est là qu'elles ont descendu de la voiture. Et c'est là qu'ils ont pris ma femme et ont dit que... ils l'ont emmenée pour un règlement de compte. Et que peu importe où la voiture s'arrêterait. Il la tuerait. Oh mon Dieu. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Je suis le sergent Ankour. Et ici avec moi se trouve le caporal Daoud. Ok. De la police centrale. Je vois. Nous enquêtions sur le cas d'un kidnapping impliquant madame Annabelle. Qui est monsieur Christophe parmi vous? C'est moi, officier. Des nouvelles de ma femme? Exact. Mais je suis désolé, ce ne sont pas des bonnes nouvelles. On a retrouvé votre voiture avec beaucoup de sang. Oh mon Dieu. Dont nous suspectons être celui de votre femme. Mais nous sommes encore en train d'enquêter. Oh mon Dieu. Ma belle, pourquoi c'est Maëlle? Hé, hey, toi! Nous devons parler. Allons à l'intérieur.
S'il vous plaît, dites ce que vous voulez dire, ok? Je vous entends très bien. Peu importe. D'après ce que c'est, ça fait déjà une semaine que ma femme est morte. Et les choses sont supposées changer. Et je veux que toutes les choses reviennent à la normale. Alors, je veux que tu me ramènes tous les documents qui appartiennent à ma femme. Et en tant que son mari, tous les documents me reviennent de droit. N'est-ce pas ça? Sache convenant, tu es contraint d'apporter ta lettre de résiliation, puisque tu es viré. CJ, partons. Je sais déjà ce qui est important. Ok. Ah ah. Mais où est-ce que tu vas? Ah ah. J'emballe mes affaires parce que bientôt je serai à la porte. Je crois que c'est pour nous deux. Il m'a été demandé de remettre tous les documents que je possède. Sont-ils là? Bien sûr, ils sont là. Ils ont dit que tu dois attendre. J'aimerais vous remercier pour avoir sauvé ma vie. Pour le moment, j'aimerais voir ces gens être arrêtés. J'imagine vraiment le pire qu'ils peuvent faire à mon absence. Écoutez, je dois vraiment me faire voir, ok? Annabelle, calme-toi, ok? Tu n'as pas à te montrer. Je veux dire, la situation devient un peu plus compliquée que ça. Ce qui est très important est que toi et moi, nous sommes en vie. Alors arrêtons tout cela. Uche, tu ne comprends pas. Je dois récupérer mon bureau. C'est ça, alors je dois me faire voir. Va faire tout ce que tu veux, mais rassure-toi que cela ne puisse pas nous impliquer. Bien sûr que non. Je ne peux pas vous impliquer, le gars. Voilà pourquoi je dois appeler cet ami avocat. L'ami avocat? Oui, Uche, pour qu'il puisse nous aider à trouver une solution. Annabelle, je n'aime pas ça. Qu'est-ce que c'est? Ils te verront bientôt. Prends soin de toi, ok? Tu as l'idée de ce que ça veut dire chercher un travail? Je n'arrive plus. C'est bon. Sois forte, d'accord? Écoute, tout ce qui arrivera dans ta vie, c'est ce que le ciel a prévu, d'accord? Dieu te gardera forte, d'accord? Merci. Merci. Sincèrement, je ne pourrais pas accepter cela. C'était le pire. Désolé, mes chers. Tu me prends du temps. C'est à propos du temps. Je suis mon ami, sors-moi rapidement tous les documents, avec ta lettre de résiliation. Je suis vraiment désolé pour ça, d'accord? Désolé, attendez que je prenne cet appel. Allô? Avocat, c'est moi, Annabelle. Qui? Écoute, ne dis à personne que je suis en vie, ok? Viens immédiatement à l'hôtel Naomi. Chambre 47. Je te rencontre dans peu de temps, d'accord? Je viens te voir, d'accord, bye. Ok, merci. Ok,
Je vous reviens dans 10 minutes. Mon ami, est-ce que je peux avoir ces documents? Accordez-moi juste cette faveur. Quoi? Je vous reviens, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce gars? Mais il va nous faire gagner de temps. Ne soyons pas lâches avec lui. Nous n'avons pas de choix. L'été est en train de courir, tu sais. Uche, et c'est pour moi la dernière fois de m'exprimer par rapport à ce sujet. Les policiers qui sont en charge de cette affaire ne sont pas faciles. Kiki, calme-toi. Annabelle. Maître. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Merci d'être venu. Lui, c'est mon frère Uche et son ami Keke. Uche et Keke, c'est lui, Maître Fortune. C'est lui qui m'avait aidé lorsque j'étais arrivé ici à Lagos. Il est maître dans son cabinet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère et son ami font leur business. Alors, quelqu'un les avait approchés pour me tuer. Il leur avait donné une photo de moi. Alors ils avaient joué au jeu, tout en me protégeant, mais en leur montrant que j'étais morte. Bien, je n'ai pas l'intention de douter ou de commencer à questionner l'authenticité de cette histoire. Mais je sais que la police peut le faire. Et je sais que nous devons les appeler maintenant. Non, ne penses-tu pas que je veux livrer mon frère? Je suis désolé pour ça, mais la police doit être impliquée maintenant. Parce que c'est ça la bonne chose à faire. Gantier, tu vois? Es-tu sûr que ce gars n'est pas en train de se moquer de nous? Je ne sais pourquoi ça doit être drôle. La réalité ici est que Annabelle n'est plus, elle est morte. Et toi, étant que son mari, tu as le plein droit de prendre tout en charge. Relax, il sera là très bientôt. Enfin, c'est lui. Le fou est là. Entre! Il nous fera gagner de temps. Annabelle! Oh, non! Maître Fortune m'a demandé de vous donner ce document. Toutefois, il y a quelqu'un qui est assis sur ma chaise. Peux-tu m'excuser parce que j'ai de travaux à faire? Chérie, je veux dire, j'étais si inquiet à propos de toi. Tu m'as trop manqué. J'espère que tu vas bien, j'étais... Je pensais que tu étais vraiment un humain. Mais tu es exactement ce que ta mère avait dit que tu étais. Un idiot égoïste. Je peux t'expliquer. Pouvez-vous m'excuser? Parce que j'ai de travaux à faire. Et je vous donne 2 minutes pour partir. Je compte. Une. Deux. Allez, dégage sur ma chaise. Dégage, vite. Permettez-moi de vous présenter mon jeune frère. Uche. S'il te plaît, entre.
Je vous présente mon jeune frère Uche. Ah non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai. Prochainement, lorsque vous cherchez un bon meurtrier, cherchez-le très, très bien alors. C'est mon dépit. Officier. Oui. Les voilà, les deux. Arrêtez-les. Tous les deux sont en état d'arrestation pour conspiration de commettre un meurtre. Arrêtez-les maintenant. Messieurs, veuillez garder silence. Ferme ta gueule. Je vous conseille de vous taire, car tout ce que vous direz sera retenu contre vous pour le compte de la loi. Bébé, je ne comptais pas faire cela. Ferme ta bouche. Et toi, sors d'ici. Bébé, il vient m'emmener en prison. Dégagez de mon bureau, s'il vous plaît. Bébé, moi je t'aime, c'est elle qui m'a poussé à le faire. Mais toi, sors d'ici. Sors d'ici. Amenez-le. Sors, sors. Avance, 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 avance. Amenez-le. Va-t'en, va-t'en. Annabelle, je reviens, ok? D'accord. Laisse-moi tout finir. D'accord. Avance, mon ami, avance. Salut. Comment vas-tu? Doucement, doucement, doucement. Qui est-il pour vous? C'est mon jeune frère. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Je vais bien. Annabelle, je ne sais pas pourquoi. Je suis en détention. Uche, tu vois pourquoi? Tu vois pourquoi je t'avais dit de ne pas témoigner comme ton ami? Annabelle, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Nous sommes tous responsables pour nos actions. Ok? Le jour que j'avais pris une décision de rejoindre les gangs ici, je savais qu'un jour, je finirais comme ça. Uche. Ne parle pas ainsi. L'avocat Fortune et moi sommes en train de faire quelque chose pour qu'on te libère. Normalement, tu devais avoir une très grande sentence ou une longue durée en prison devant la cour. Ok, s'il te plaît. Peu importe ce qui va arriver, je suis prêt à payer les conséquences. Ma joie maintenant est que... Toi et Nancy, allez beaucoup mieux aujourd'hui. J'allais même mourir, mais je ne suis pas mort. Peu importe ce qui va m'arriver en ces moments. Je te remercie. Merci pour tout ça. Prends bien soin de toi. Ça va aller. Tu dois juste prendre soin de toi-même. Arrête de pleurer. Oui. Arrête. Ça va aller. Arrête de pleurer. Sois forte. Arrête de pleurer. C'est suffisant. Vous pouvez le ramener. Ramenez-les dans sa cellule. Allez. Emmenez-le vite, vite, vite. Tout va s'arranger. Avance. Bouge, allez. On ne blague pas ici. On y va, monsieur. En ce moment, tes amis sont à l'école et toi, tu es dans la rue en train de voler les gens. Avance. Votre frère est un criminel et nous sommes ici pour le faire payer. C'est ça, reste là-bas. Alors vous n'aurez plus jamais l'occasion de le revoir ici parce que c'est un criminel. Keep struggling to survive.
survive every day. For the good in your heart will make a way. Annabelle, be strong now. You're gonna make it somehow. It won't be easy, but soon you'll leave in glory. You have no shoes or clothes, but you have a heart of gold. One day you shall like a star, but don't forget who you are. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.